Tous les mardis entre 21h et 23h, c'est Caliente. Ou plutôt, Qui Caliente ? Qui Caliente, votre émission reggae de référence avec Kika sur Eau de Radio. Et on y est, ça y est, on part en Haute-Savoie maintenant avec le groupe Clel, le duo Clel. Et c'est l'effervescence d'une passion commune mélangeant reggae et chansons françaises. C'est depuis les bancs de l'école que le duo s'est retrouvé à partager avec son premier public leur passion pour la musique et la scène. Clel, c'est l'expression d'une complicité perpétuelle du duo aux Savoyards. À contretemps, le duo développe son besoin de partage, de rencontre et surtout de toucher son public. Depuis maintenant quelques années, Clel s'est dirigé vers l'expression de sa propre musique. Depuis vendredi 27 mai, Nouvelle Ère, leur album est disponible sur toutes les plateformes de streaming. 5 titres influencés de reggae, acoustique et de chansons françaises. Après avoir fait pendant plusieurs années de nombreuses covers, le duo Clel a décidé de produire ses propres chansons et de donner naissance à ce premier EP. Pour promouvoir leur EP, Clel va partir sur les routes pour quelques dates cet été. Une envie de partager leur son en direct pour rencontrer et échanger avec leur public. Un premier concert pour la sortie de cette EP a eu lieu le vendredi 27 mai à l'Alibi, dans le 74, en première partie du groupe Dub Silence. Vous pourrez retrouver Clel le 15 juillet, dans 3 jours, au Rum and Bass à Embrun, dans le 05 avec Dub Silence. Vous les retrouverez le 16 juillet à la brasserie artisanale de Serre-Ponçon, dans le 05 toujours avec Dub Silence, toujours. Le 17 juillet, ils seront au TBA et Léa nous expliquera tout ça. Et le 17 septembre, donc 2 mois après, ils agiront pour Action contre la faim à Annecy dans le 74. Pour l'heure, le temps que je l'appelle Léa et qu'elle soit avec nous au téléphone, eh bien on va s'écouter le premier titre Hors du temps. Et juste après, je lui poserai quelques questions. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés. Je vous emmène découvrir ce petit duo, Clel. Hors du temps, j'ai longtemps passé. Hors du temps, je me suis envolée. Enivrée de bonheur, en mon fort intérieur. Effacer le malheur qui bouillonne en nos cœurs. Fanatique d'une nouvelle ère, d'une idylle miraculaire. Dans leurs yeux, compte de la peur qui sommeille depuis des heures. Ils s'entassent sans me laisser de place, et moi je suis bien à ma place. Ils s'entassent sans me laisser de place, et moi je suis bien. Mais si je profite, si je faiblis, si je m'acharne, c'est pour cette vie que je l'affronte, que je la confronte sans me morfondre. Les jours qui viennent et qui repassent ne dépassent pas mon horizon. Le moindre instant m'est important, c'est pour cela que je vis. Loin des tourments, loin des tourments, loin des tourments, loin des tourments, loin des tourments. Hors du temps, j'ai longtemps passé. Hors du temps, je me suis envolée. Enivrée de bonheur, en mon fort intérieur. Effacer le malheur qui bouillonne en nos cœurs. Prendre le temps de contempler la vie passée. Prendre le temps de se voir traîner. Le temps nous enlace, puis nous dépasse. Et si tu t'attaches, il faut que tu saches glacer l'instant pour vivre un moment. Vige le temps pour vivre le présent. Glacer le temps pour vivre un instant. Vige le temps pour vivre un moment. Glacer le temps pour vivre un instant. Vige le temps pour vivre un moment. Hors du temps,
J'ai longtemps passé hors du temps. Je me suis envolée hors du temps. J'ai longtemps passé hors du temps. Je me suis envolée, enivrée de bonheur en mon fort intérieur. Effacer le malheur qui bouillonne en nos cœurs. Hors du temps, j'ai longtemps passé. Hors du temps, je me suis envolée. Du temps, j'ai longtemps passé. Hors du temps, je me suis envolée. Enivrée de bonheur en mon fort intérieur. Effacer le malheur qui bouillonne en nos cœurs. Et on est là avec Léa sur Eau de Radio. Bonsoir Léa. Bonsoir Kika. Comment vas-tu? Très bien, et toi ? Eh bien, écoute, ça va, on est contente de s'écouter des jolies chansons françaises comme ça, ça fait du bien. Dis-nous, là, on vient de s'écouter le titre Hors du temps, voilà, c'est toi qui chantes, mais tu chantes depuis combien de temps ? Alors, je n'ai jamais fait de cours de chant, donc on peut dire que je chante par moi-même depuis mes 6 ans. D'accord. Quand j'étais plus jeune, du coup, je regardais un petit peu, je faisais des karaokés un petit peu toute seule devant mon écran. D'accord. Et puis, au collège, lycée, j'ai commencé du coup à faire un petit peu de guitare pour m'accompagner. Et puis après, j'ai rencontré Clémentin au lycée, et là, du coup, il a pu m'accompagner. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans que je chante. Et tu joues de la guitare aussi ? Un tout petit peu. J'ai pas un bon niveau, hein. C'est vraiment les accords de base. Plaqués, en autodidacte. C'est ça, en autodidacte. Cool, c'est l'oreille hein, qui nous apprend tout, de toute façon. C'est ça. J'ai pas de nature sur Internet. Comme on peut apprendre les langues étrangères, maintenant, tout s'apprend sur Internet. Hein. C'est ça. vous êtes tous les deux originaires de Haute-Savoie, Clémentin et c'est toi ça. C'est ça. Alors, moi, je suis du coup d'Annecy et Clémentin de Cuisy, donc c'est pas très loin d'Annecy. D'accord. Et on s'est rencontrés du coup à Baudelaire, donc il y a un lycée sur Annecy, en Haute-Savoie. Et comment vous vous êtes connus ? À quelle occasion ? Et on était dans la même classe en seconde, Depuis on ne s'est pas lâché. Donc dans l'option musique à mon lycée, et puis après c'est parti jusqu'à maintenant, donc ça fait environ 7 ans maintenant. D'accord, et vous êtes ensemble dans la vie ? On est amis, meilleurs amis. Vous êtes amis, d'accord, c'est depuis ça. 7 ans, et quel âge vous avez maintenant ? On a tous les deux 22 ans. D'accord. Mais, du coup, voilà, des 2000, avec plein de zéros derrière. Des 2000, ouais, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Ma fille, elle est de 2002, elle fera 20 ans à la fin de l'année. Je la big up. Ma fille qui m'écoute est 22 ans, c'est le bel âge. Hein. Du coup, qui écrit et qui compose les morceaux ? Alors, on écrit tous les deux. D'accord. On se pose tous les deux à une table. On écrit déjà, chacun chez soi, un petit peu nos idées, les thèmes sur lesquels on voudrait, écrire. On prend des petites notes, etc. Et puis, quand du coup, on est ensemble, soit on fait de la guitare, soit on écoute des musiques, etc., sans parole, et on écrit du coup ensemble de là. Puis après, on fait un petit point et on regarde un petit peu ce qu'on garde et ce qu'on ne prend pas. Puis on retravaille ça plusieurs fois durant du coup plusieurs jours espacés pour composer, pour écrire en tout cas. Et Clémentin, du coup, lui, je laisse un petit peu gérer avec sa guitare. Quand oui, parce que lui, il joue très très bien. C'est lui qui joue la guitare, du coup. C'est ça. C'est Clémentin, le guitariste, et moi, la chanteuse dans l'histoire, du coup. Eh ben oui. Et du coup, là, je laisse un petit peu faire, il me propose des choses, puis après, je lui dis, j'aime bien, j'aime pas. Et puis, on avance tous les deux comme ça, en disant vraiment ce qu'on pense. Enfin, il faut vraiment dire quand ça va et quand ça va pas, quand on aime bien et quand on aime pas. Bien sûr, et on avance bien comme ça. C'est important pour avancer ensemble, bien sûr. Mmh. Et du coup, les textes et la musique, ou la musique et les textes, ça va dépendre de vos inspirations ? Ça dépend des inspirations. Après, en général, on commence par la guitare. Quand Clémentin me trouve un petit air, et après, du coup, on écrit un petit peu sur ce air-là. Mm-hmm. Donc, en général, c'est ça. Après, il arrive aussi que d'abord, on écrive des choses, on les garde un petit peu de côté, et puis quand on voit qu'il y a un son qui nous plaît et qui fonctionne bien avec les paroles, on dit, allez, on match, et puis on enregistre.
Ouais, carrément, carrément. Du coup, pour sortir un petit peu de... Pardon, j'ai un chat dans la gorge, il faudrait peut-être que Il n'y a j'aille pas de chercher une souris. problème. On va basculer maintenant, on va s'écouter le titre Réveil, parce que du coup, bah, ça va nous réveiller un petit peu. Il est à 22h20, il fait toujours 31 degrés ici à Bordeaux. Je ne sais pas combien il fait chez vous en Haute-Savoie, dis-nous. Il fait très chaud. Il Je fait ne très sais chaud pas, aussi. je l'ai pas là tout de suite, mais il fait très chaud. Ouais. Donc ça va commencer à se calmer. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va réveiller les auditeurs qui, à 22h20, sont dans leur voiture et qui ont besoin d'un petit coup de peps. Le petit titre Réveil est là pour ça. Et puis, je te repose des questions juste après. Parfait. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Je songe à ce que le monde se réveille. Je songe à ce que le peuple s'éveille. Canalisons nos forces et nos pensées. Redessinons cette solidarité oubliée. Je prie pour un avenir où chacun pourra s'épanouir. Égaré, agenouillé, il faudra se relever pour écraser nos préjugés. Arrête-toi un instant. Regarde-les, tous marchant, paraissent-ils heureux. Dans cette ville où tout n'est que jeu, dans cette ville qui prend feu, ont-ils fait leurs adieux? Je songe à ce que le monde se réveille. Je songe à ce que le peuple s'éveille. Canalisons nos forces et nos pensées pour dessiner cette solidarité oubliée. Aucune tentation ne fera réagir. Mais attention, nous sommes prêts à agir. Citoyens du monde, nous attendons pour qu'il y ait rébellion. Ils nous demandent de nous impliquer, de leur partager toutes nos pensées. Mais le résultat, tant attendu, n'est qu'illusoire. Ils nous abreuvent de leurs histoires, de leurs bobards, de leurs faux savoirs. Nous resterons leurs pions, à leur bon vouloir. Ils détiennent le pouvoir et nous le font savoir. Quand la rage grandit et l'espoir s'endurcit, je songe à ce que le monde se réveille. Je songe à ce que le peuple s'éveille. Canalisons nos forces et nos pensées pour dessiner cette solidarité oubliée. Ébloui par cette bulle d'ironie, des millions à survivre aujourd'hui, moins des milliards à périr, de plus en plus perdus. Ces principes floutant la vue, il faut qu'on reste ensemble, puisque l'on s'assemble, on restera ensemble, puisqu'on se ressent. Que le peuple s'éveille, canalisons nos forces et nos pensées pour dessiner cette solidarité oubliée. Je veux vivre ivre de mes rêves, ivre de la vie, ivre de ses êtres. Je veux vivre ivre de mes rêves, ivre de la vie. De la vie, libre de ses êtres, je veux vivre, libre de mes rêves, libre de la vie, libre de ses êtres. Hey, écoute, c'est Kika dans ta radio. Et on revient avec toi, Léa, et on vient de s'écouter sur Eau de Radio 91.3 le titre Réveil. Et moi, je kiffe ce titre. Ah, merci beaucoup. De rien, beaucoup. C'est mon préféré à moi. Et ouais, à quel moment tu l'as écrit ce titre? Alors, on a écrit celui-ci il y a à peu près un an et demi, si je ne dis pas de bêtises. En plein confinement, du coup. C'était, oui, on l'a écrit avant, je crois, un petit peu, enfin pendant, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, on a un peu tout écrit en même temps, un peu à la suite. Quand en fait, on s'est motivés tous les deux à écrire, en fin de compte, on a eu plein d'idées, une vague d'idées.
Ah ben Et oui. donc voilà, ça fait environ 1 an et demi, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, après le confinement, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est inspirant, hein, tout ça, de toute façon, tout ce qui nous arrive dans la vie. Et du coup, voilà, ce son-là, on a pu du coup le clipper par la suite. Donc c'est vrai que ça fait un rendu du coup un peu plus physique. Enfin, on l'a pu grâce à une association qui s'appelle Cameo, qui laisse les bains donc par chez nous, D'accord. voilà, en Haute-Savoie. On a tourné au lac du Bourget, donc on avait des beaux plans avec des drones, enfin un drone du coup Ouais, pour le le paysage coup. est magnifique, ouais, c'est clair. C'est ça. Et c'est vrai que ça nous fait vraiment plaisir du coup de pouvoir tourner ce clip. Et on l'a sorti juste un petit peu avant l'EP, pour pouvoir faire un petit peu de pub du coup et Ça pour fait de la teaser un peu. promo, bien C'est sûr. ça. Bien sûr. On invite les auditeurs à aller voir le clip de Clel sur le titre Réveil. Du coup, on entend Clem qui pose sa voix. Ça lui arrive souvent de poser sa voix avec toi? Alors là, on commence du coup à pouvoir, enfin en concert, du coup, être de plus en plus à l'aise. Donc, enfin, on a pour but en fin de compte par la suite d'inclure des instruments et aussi que Clémentin chante, du coup. Donc lui, il n'a jamais pris de cours de chant et du coup, là, faut qu'il s'y mette et on travaille dessus. Mais c'est Ouais. vrai, du coup, pour toutes les prises de son, on a pu un peu mettre sa voix, mais en concert, on a un petit peu du mal à le faire chanter, en tout cas. Donc ça va le faire par la suite, hein, c'est C'est un dans les timide. objectifs. C'est ça. Alors, à la guitare, il assure, pas stressé, mais alors au chant, il panique un petit peu. Mais oui, Donc voilà. ça met un peu plus en devant sur le devant de la scène, tout ça. C'est ça. C'est Dans ça. le texte, tu parles de solidarité oubliée. Dis-nous pourquoi. Bah, c'est vrai que du coup, le titre s'appelle Réveil. Et c'est vrai qu'on a l'impression un petit peu, bah, soit que bah, ce qui s'est passé aussi pendant le Covid, etc. Puis qu'en fin de compte, on s'oublie les uns les autres. Et du coup, voilà, notre petit réveil, c'était vraiment pour dire aux gens, réveillez-vous, soyez là, aidez-vous en fin de compte, changeons-nous les choses tous ensemble. Bien sûr. Et voilà, donc retrouver cette solidarité qu'on a pu voir pendant le confinement à des moments, mais qui était très ponctuelle, et il faut vraiment la garder en fin de compte, parce que c'est l'humanité en fin de compte, c'est la solidarité, donc on a voulu mettre ça un petit peu Bien sur sûr, papier. bien sûr. Nous ne sommes que des hommes, hein, et tu écris des textes engagés, du coup, avec Clémentin. Est-ce que vous allez vers cette direction? Oui, de plus en plus. En fait, du coup, là, pour l'instant, on a commencé assez mollo. On peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que moi, pour écrire, j'ai besoin de mettre mes idées à moi et ce que je vis un petit peu, enfin mes sentiments en fin de compte. Et du coup, voilà, tout ce qui est plus engagé, bah, ça me donne encore plus envie d'écrire. En tout cas, là, j'ai beaucoup plus d'idées là-dessus que des simples musiques un peu plus, comment dire, qui parlent Commercial. d'amour ou autre. C'est ça, ou commercial. Du coup, quels sont vos sujets de prédilection alors? Alors moi, j'aimerais bien parler un petit peu de politique. Bon, ça, après Clémentin, on verra. On n'a pas encore trop parlé, donc pour l'instant, on a un petit peu hésité. Puis après, on finit voilà, sur l'humanité, sur l'entraide, un peu tout ça, quoi. Le racisme aussi, parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. Et voilà, surtout en ce Et moment. à l'âge de 22 ans, quels sont les artistes qui vous influencent aujourd'hui? Alors moi, j'ai des tendances un peu pop, voilà. D'accord. Donc un peu Pomme, Angèle, donc, qui est un peu commercial. J'aime bien aussi Damso et dans le reggae, j'ai vraiment des voix que je trouve dingues, comme celle de Vanity, qui a une voix un petit peu cassée, Bien un sûr. peu rauque, Ouais. que je trouve folle. Et surtout Lidiop, qui peut monter dans les aigus et dans les graves, enfin, c'est dingue. Oui, bah oui, Franchement, il a une Lidiop. voix, c'est On ça, big j'aime up beaucoup. Vanupié, on big up Lidiop. Est-ce que HK aussi, qu'on s'est écouté en début d'émission, pourrait être un influenceur pour toi? Oui, j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas plus tard le réécouter et trouver un petit peu d'inspiration grâce à lui. Eh bien sûr, bien sûr. Avec donc l'arrivée de cette EP là le 27 mai dernier, elle s'est décidée comment? Parce que tu m'expliquais que ça fait 7 ans que vous vous connaissez avec Clémentin. Comment vous avez comme ça eu l'idée de créer cette EP et ensuite de trouver les fonds pour financer le clip et pour vous en sortir financièrement? Parce que je Alors, suppose que vous travaillez à côté pour l'alimentaire. Moi, du coup, on est tous les deux étudiants, donc voilà, on a bientôt fini les études, mais du coup, voilà, on n'avait pas trop de revenus. Mais oui. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une cagnotte, on l'a partagée, et il y a eu plus de 50 personnes qui ont participé à cette cagnotte. Donc, ça Sur a été cool. Ulule? Sur Helloasso, du coup. D'accord. Et beaucoup de gens ont participé, on ne pensait pas autant, donc on avait récolté environ, si je ne dis pas de bêtises, 1 600 euros, quelque chose comme ça. Donc, de quoi bien commencer. Et oui, parce que créer un album, ça coûte environ 3 000 euros et les clips, c'est cher aussi. C'est ça. Après, ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a enregistré à la maison. Donc, ça a réduit les coûts de manière drastique.
Et donc un ami à nous nous a enregistré, a fait le mixage, puis après du coup on a dû payer par contre le mastering, tout ce qui venait après. On Bien a aussi sûr. sorti un CD, donc on a aussi payé pour le visuel, une graphiste qui s'appelle Ya. On a aussi du coup fait un logo par un ami à nous. Donc c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal d'entraide avec notre entourage. C'est On a ça quand la même pas mal solidarité. d'artistes. C'est ça, enfin on la retrouve, Eh et ça ben c'est oui. super. Eh ben oui. Et du coup, voilà, donc après, même pour voilà, parce qu'on a eu du coup le clip aussi à faire, là, on en a un deuxième qui va bientôt sortir. On est en montage pour l'instant du clip, et ce sera sur Hors du temps, celui qu'on a écouté du coup en première, enfin, la D'accord. première chanson qu'on a écoutée. Cool. Et voilà, et du coup, on a eu du coup pas mal d'argent pour pouvoir faire ce projet. On pourrait dire que 1600 euros, c'est beaucoup, mais c'est vrai que dans ce cas-là, si on n'avait pas été aidé par d'autres personnes, on aurait été. Ça aurait pas été Ça aurait été un... assez, mais oui, C'est ça, ça n'aurait bien pas été sûr, assez. Donc bien sûr. heureusement que du coup on a eu des solidarités un petit peu autour de nous. On a parlé de tes dates là en présentation de votre duo. Qui fait le booking? Alors ça c'est Clémentin. Clémentin du coup l'année prochaine va travailler dans le booking, du coup la prod, etc. Et du coup bah, il s'occupe de nous par rapport à ça pour trouver nos dates à nous. Donc je laisse faire, franchement il gère là-dessus, il n'y a aucun problème. Je Ouais. sais qu'il a aussi trouvé des dates pour d'autres salons, parce que d'autres salons ça crée du coup une version acoustique. Ouais, on va en parler après, ouais. C'est ça. Et du coup voilà, il gère un petit peu tout ça tout seul. Eh bien écoute, tu me fais la transition. On va s'écouter le titre Rêver maintenant parce que du coup, bah, j'ai des questions à te poser là-dessus. Et puis Parfait. surtout par rapport à la rencontre avec Dub Silence. Ça, c'est juste après ça. À tout de suite. De radio, la radio des Hautes-Garonne. Vous écoutez Kikaliente sur Eau de Radio. 91.3. Clémentin à la guitare, Léa au chant, le duo Clel sur Eau de Radio. J'ai cherché, cherché le moindre de tes rêves. J'ai trouvé, trouvé l'espoir de m'évader. J'ai cherché, cherché la moindre de tes peines. De m'évader, ton souffle peut vite se couper et l'espoir s'évader. Ne regarde pas avec ennui défiler toutes ces nuits. La vie nous emmène au plus près de nos peines. Cherche la source de joie qui t'aiguillera au fil des mois. Et gamin, donne-moi la main. On va trouver le bon chemin, celui de la fête, celui de la joie, celui qui résonnera en toi, sans les tracas du quotidien. J'ai cherché, cherché le moindre de tes rêves. J'ai trouvé, trouvé l'espoir de m'évader. J'ai cherché, cherché la moindre de tes peines. J'ai trouvé, trouvé l'espoir de m'évader. J'ai cherché, cherché le moindre de tes rêves. J'ai trouvé, trouvé l'espoir de m'évader. J'ai cherché, cherché la moindre de tes peines. J'ai trouvé, trouvé l'espoir de m'évader. Le soir tes larmes coulent et s'effacent dans le noir. Tes cauchemars s'entremêlent à tes plus belles histoires. Quand au jour ils s'effacent et laissent place à la préface d'un monde où tu te surpasses. J'ai cherché, cherché le moindre de tes rêves. J'ai trouvé, trouvé l'espoir de m'évader. J'ai cherché, cherché la moindre de tes peines. J'ai trouvé, trouvé l'espoir de m'évader. Mais oui, il faut fermer les yeux et même sans faire d'adieu, trouver le temps de s'échapper, d'errer dans tes pensées. Seulement ceux qui le veulent peuvent faire leur preuve. Chacun ses difficultés et ses facilités. À toi de faire naître les opportunités. Rêver c'est savoir imaginer, c'est savoir se libérer. Rêver c'est savoir s'écouter et surtout s'aimer. J'ai cherché, cherché le moindre de tes rêves. J'ai trouvé, trouvé l'espoir de m'évader. J'ai cherché, cherché la moindre de tes peines. J'ai trouvé, trouvé l'espoir de m'évader. J'ai cherché, cherché le moindre de tes rêves. J'ai trouvé, trouvé l'espoir de m'évader. J'ai cherché, cherché la moindre de tes peines. J'ai trouvé, trouvé l'espoir de m'évader.
revient avec toi Léa, qu'on entendait chanter si bien là sur cette chanson, du coup Rêver. Et ouais, et on va parler maintenant de rêver, hein, parce qu'on cherche tous à rêver, parce que c'est un petit peu ça l'utopie, c'est un petit peu ça qui nous mène dans ce monde, hein, parce que sans les rêves, eh bien on n'avance pas. On va parler, comme tu nous disais précédemment, hein, la rencontre avec Dub Silence. Comment elle s'est faite la rencontre avec Dub Silence, et est-ce que c'est uniquement Clémentin qui est l'instigateur de ça? Et bah du coup c'est pas mal Clémentin. Alors en fait on a pu faire du coup une scène à la MJC de Chambéry en avril du coup, et un groupe devait passer et a eu le Covid, donc ils ont été annulés. D'accord. Et Dub Silence les a remplacés, donc on avait déjà pu les voir un petit peu auparavant, enfin ils les connaissaient bien dans la région. Et ça, Clémentin, du coup, a eu l'idée, parce que du coup, on a fait la première partie et eux la seconde, de les faire jouer à notre église. Donc, je lui ai dit, bah oui, si tu veux, on peut essayer. Enfin, j'étais un petit peu stressée quand même, parce que ouais, ils sont quand même, voilà, c'est Dub Silence, ils sont très très forts. Et du coup, bah, il l'a fait, il les a contactés, ils ont dit d'accord. Et puis, du coup, ça s'est super bien passé. Mais oui, parce que tous les artistes sont des gens simples, normalement. C'est ça. Et bah, ils sont adorables, hein, vraiment. Bah, simple, comme vous dites, accueillant, gentil, enfin, tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils n'ont pas la grosse tête du tout. Enfin, voilà. Bah oui, c'est clair. Les jumeaux, on big up. Voilà, et Mehdi aussi. Et du coup, là, ils ont fait du coup un set acoustique à trois, et du coup, ça passait bien. Et Clémentin leur a dit, bah, si vous voulez, on peut faire des dates ensemble, je vous trouve des dates, et vous les faites avec nous, parce que nous, notre set ne dure pas assez longtemps pour la plupart des bars. Mm-hmm. Et du coup, ils ont dit oui. Comme il a du coup de lancer ce nouveau set acoustique, du coup, à trois, si je dis pas de bêtises, c'est guitare, caronne et clavier. Mm-hmm. Ils ont dit oui, et depuis, du coup, on a eu des dates avec eux, plusieurs. Et là, on en aura trois, du coup, ce week-end, dans les Hautes-Alpes, à Embrun, Serpenton et Villers. Et ouais, du coup, là, c'est plus du rêve. Hein. C'est ça. Franchement, je n'aurais pas cru. Eh bien oui, et puis, en parlant de rêver, pourquoi pas un featuring avec eux, du coup? Pourquoi pas un jour? Pourquoi pas? Ben parce oui. que du coup, à notre église, du coup, ils ont posé un petit texte à la fin de nos chansons. Mm-hmm. Donc ça nous a fait très plaisir, et c'est très gentil de leur part aussi. Donc ils ont un petit peu fait du coup en amont, mais voilà, c'était tout neuf. Et pourquoi pas un jour? Pourquoi ben pas? Ben oui, on parce que vous êtes du même coin. C'est ça. Ils sont de Chambéry, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et nous avons aussi du coup de base, donc c'est vraiment... proche, quoi, à côté. Du coup, là, tu disais, c'est Clémentin qui fait le booking. Il y a des dates qui vont se rajouter, certainement, alors. C'est ça. Alors, pour l'instant, voilà, on finit, du coup, les dates de juin-juillet. Et l'année prochaine, du coup, on aimerait faire quelques concerts, du coup, au moins un concert par mois, si c'est plus. Mm-hmm. Et puis, du coup, pendant les vacances d'été, entre guillemets, faire une ou deux semaines de tournée sur la côte ouest. Donc voilà. Venir par chez nous. C'est ça. On passera peut-être du coup vers Bordeaux et on aimerait bien en tout cas. Ben, ça sera un plaisir. Ça sera un plaisir de vous recevoir ici à Ode Radio, parce que du coup sur les dates que je vois là, il y a marqué TBA. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? TBA. Le 17 juillet. Le 17 juillet. Alors TBA le 17 juillet. Ah, question poil. Ah, pardon. Central Bar, vous voulez dire? Enfin, tu veux dire? Après, parce que là, le 15 juillet, vous serez au Romaine Bass, à Embrun. Ensuite, vous serez à Serponçon, donc avec Dub Silence. Et ensuite, le 17 juillet, il y a marqué TBA. Ah, alors pour moi, c'était Central Bar. Alors, je ne sais pas pourquoi TBA, mais c'est Clémentin qui a dû marquer ça. Pour moi, c'était Central Bar. D'accord, parce que pour moi, ça ne voulait rien dire. Ah, d'accord. Moi, TBA, ça ne me parle pas, tu sais, la bordelaise qui ne connaît pas trop la Haute-Savoie. Donc du coup, on vous retrouvera au Central Bar le 17 juillet. Et après, donc, pendant deux mois, on espère que vous aurez donc, du coup, le plaisir de venir ici sur la côte ouest. C'est ça, on essayera en tout cas, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on vise. Donc à l'année prochaine. On croise les doigts, ouais, c'est clair. Le 17 septembre, du coup, vous serez à Action contre la faim à Annecy. Explique-moi comment vous les avez rencontrés, cette association, et pourquoi cet engagement? Alors, on l'avait déjà fait il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, 2 ou 3 ans. D'accord. Quand on faisait des covers, du coup, via des amis à amis, enfin voilà, par du bouche à oreille. Et du coup, voilà, comme on avait, Annecy, du coup, c'est d'où on vient. On avait aussi envie de se reproduire là-bas pour une bonne cause, tout simplement. Et du coup, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on y va.
C'est vrai que bah, Annecy, c'est une super belle ville et pouvoir y jouer, pour nous, Annecyens de base, c'est super bien. Par exemple, on a pu faire la fête de la musique à Annecy en face du Vieux Prison. Donc, c'est la photo typique de Annecy. Ah ouais. Et franchement, c'était super. C'était un petit rêve qui se réalisait. Donc, avec le lac donc, pas loin. C'est ça. Puis des fois, on croit des gens qu'on connaît. Donc, c'est vrai que je pense pas qu'ils soient au courant qu'on chante et qu'on a vraiment monté un vrai projet. Et donc, des fois, de les voir passer et nous sourire et nous dire coucou, bah, c'est vrai que c'est... C'est assez drôle et on est vraiment fiers du coup. Mais oui, c'est le début de la notoriété, c'est ça qui est bon. Peut-être. Du coup, je vais te poser deux dernières questions. Après la tournée, la suite, c'est quoi? Après la suite, c'est du coup d'enregistrer d'autres sons. Vous allez clipper tous les 5 titres de cette EP ou pas? Alors pour l'instant, on va juste faire un deuxième clip sur Hors du Temps. Ouais. On réfléchit aussi à une live session, quelque chose comme ça pour un des autres titres. Ouais. Voilà, c'est en pleine réflexion. Pourquoi pas un medley enregistré en live, histoire de faire découvrir les 5 titres en quelques temps. Pourquoi pas aussi, c'est des idées qu'on a, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire, mais en tout cas c'est plein d'idées. Et puis après ça, du coup, ce serait de pouvoir devenir de plus en plus pro en fin de compte, parce que là, c'est vraiment un petit peu les concerts tests et pour pouvoir du coup se mettre en place, gérer le stress aussi, une prestation, voir ce qui va et ce qui va pas. Mmh. Et puis du coup, là, rajouter peut-être un pianomètre, pour faire des doubles voix en ce qui me concerne, que Clémentin aussi chante pour pouvoir monter aussi en gamme, ajouter peut-être d'autres instruments, on va voir comment on peut faire. Et ouais, donc du coup, une nouvelle campagne LOSO. Peut-être, pourquoi pas, on verra. On n'a pas encore cette idée, mais peut-être. C'est pas. Après, si on fait quand même pas mal de concerts, on pourra peut-être mettre de l'argent de côté du coup pour ça. Ouais, parce que vous n'êtes pas encore intermittent du spectacle, là, il faut 42 cachets, vous ne les avez pas encore. Du coup, c'est les petits boulots à côté, qu'est-ce que vous faites? On est étudiant, rémunéré, moi je serai en alternance et Clémentin aussi, donc c'est vrai que ça nous fait un petit peu d'argent, mais pas assez. Ouais, bah oui. Donc voilà, on verra. Pas de boulot de serveur à côté, pas de barmaid. Clem nous prend trop de temps. Oui, tous les week-ends sont pris et les soirs aussi en général, ça prend énormément de temps. C'est ça. Donc, tout le temps qu'on a, on essaie de le mettre dedans et puis après on voit que les amis ça. Un petit peu partis par là. Mais en tout cas, voilà, on a un objectif, on veut l'atteindre. Et c'est chronophage du coup, voilà. C'est important. Du coup, on croise les doigts pour vos 42 cachets, on croise les doigts pour votre futur en tant qu'artiste reconnu. Et puis, tu disais tout à l'heure que Clémentin fait des études donc pour devenir booker, c'est un petit peu son but. C'est ça, c'est son but. L'année prochaine, normalement, là par exemple, il organise un festival, du coup, le Nologo Festival à présent dans le Jura. D'accord. Et du coup, l'année prochaine, il sera dans une boîte, normalement, de prod sur Lyon, pour faire du booking. Donc voilà, normalement, ça va être son métier de prédilection. Et puis ça lui permet aussi, du coup, de pouvoir faire de la promo pour votre groupe, pour votre duo. C'est ça. Franchement, c'est pas mal. On va pas se cacher. Du coup, vous envisagez de prendre d'autres musiciens ou ça va rester un duo comme tel? Alors, on a eu cette réflexion. Donc, dans un premier temps, on monte en gamme à deux. Et puis, par la suite, du coup, peut-être vers janvier, en tout cas, on aimerait bien, du coup, inclure d'autres personnes, du coup, avec nous. Pourquoi pas un piano, une batterie, une basse aussi. Donc, voilà, vraiment pouvoir avoir une deuxième formation pour pourquoi pas faire des festivals par la suite. C'est un petit peu ce qu'on vise aussi. Mais voilà, déjà monter en gamme à deux. Et puis, si ça marche bien, on a bien bossé, passer du coup à plusieurs sur scène. Et puis, trouver un tourneur aussi qui vous permettrait de pouvoir tourner régulièrement. Pourquoi pas, c'est aussi une option. Ah ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Mais de rien beaucoup, écoute. Tu vas nous dire un petit peu les réseaux sociaux. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. On vous retrouve où ça? Alors, on nous retrouve du coup sur Insta, Facebook, YouTube. Donc, c'est Clel officiel. Voilà, C-L-E-L. C'est ça, et officiel. Officiel. Avec le petit tiret entre les deux. C'est ça, le tiret du bas. Et puis voilà, on est sur Spotify, Deezer. Notre EP, du coup, Nouvelle Ère, est disponible sur toutes les plateformes. Du coup, on invite tous les auditeurs qui ont kiffé là, le petit quart d'heure qu'on vient de vivre, enfin un plus, hein, plus parce que affinité. On vous retrouve donc sur Spotify, sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Allez, écoutez cette EP qui est magnifique. Merci à toi, Léa. Merci beaucoup, Kika. Et le bonjour à Clémentin. Parfait, je passerai. Merci et beaucoup, à très bientôt sur Bordeaux. Ce sera un plaisir de vous recevoir ici sur Eau de Radio. Ce sera un plaisir pour nous aussi. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Léa. Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonnes.